Voici la première séance de mon programme, pec, épaules, triceps. Je commence toujours ma séance par un exercice d'explosivité ou plio. Ici, j'effectue 3 séries de 3 répétitions de cet exercice. Puis mon exercice de force. Pour cette séance, c'est le développé couché. 5 séries de 3 à 5 répétitions avec 2 minutes de récupération. Puis je fais mes exercices d'hypertrophie entre guillemets. Je varie entre incliné, décliné ou les dips, barre ou halter, et toujours 3 séries de 8-12 répétitions avec 1 minute de récupération. Je fais en sorte que de bien effectuer les exercices avec le maximum d'amplitude, étirement et contraction. Après, c'est mon premier exercice pour les épaules. Et souvent, c'est le développé militaire. 4 séries de 5 à 8 répétitions. Et puis, mon deuxième exercice, élévation latérale. Chaque semaine, je varie entre lourd et léger, comme dans la vidéo, ou je fais 3 séries de 20 répétitions. Pour cet exercice, il ne faut jamais avoir les bras tendus. Il faut que les coudes soient plus hauts ou au même niveau que les poignets. Puis mon premier exercice de triceps. Je varie entre extension poulie, comme dans la vidéo, ou barre au front. 4 séries dégressives, c'est-à-dire pour chaque série j'augmente la charge et forcément les répétitions diminuent. Et pour les pectoraux, ça sera bien d'ajouter un exercice qui étire bien le muscle, comme les écartés poulies, haltères ou machines. À chaque séance, je varie entre les 3 séries de 12 à 15 répétitions. Pour mon deuxième exercice de triceps, pareil que les pectoraux, je fais un exercice qui étire les muscles, soit avec poulie ou debout avec une barre. Et puis, j'aime bien finir la séance avec un exercice de pectoraux, 2 séries de maximum de répétitions, soit sur une machine, soit les pompes dégressives. Dans la séance, j'ai fait des exercices de 3-5 répétitions, d'autres de 8-12 répétitions et de 15 à 20 répétitions. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de faire plus que 20 répétitions, à part si tu veux travailler l'endurance musculaire. Voilà, ça c'était la première séance des 3. Vous pouvez aussi regarder la séance de dos, biceps ou jambes abdos. Sinon, merci et à la prochaine vidéo.